Salut tout le monde, c'est SuperJuju45, donc aujourd'hui pour une vidéo War Thunder, donc au F6F L4, donc avion de la Seconde Guerre mondiale américaine à part. Donc sur cette partie, donc, il est pas cool, l'avion est pas cool, c'est-à-dire qu'il manque un capot, mais il est presque cool, il manque le dernier équipement de revêtement. Le dernier installateur qui permet d'installer les bombes en plus des roquettes. Et donc là je l'ai équipé des deux roquettes comme vous pouvez le voir les deux roquettes de 270 mm 3 et donc la partie est lancée là. Et je me dirige vers les BF-110, il me semble que c'est des BF-110 qui sont partis attaquer les je sais plus si c'est les berges de débarquement ou les landing boss ou les porte-avions. Et ce qui ne sont pas des porte-avions dans lesquels on peut opérer. Enfin, je crois que c'est. Donc, on va les opérer, on se rapproche, là, c'est plus. De plus en plus. Alors, au passage, je tiens à préciser, vous allez comprendre ce que. Pourquoi je vous précise maintenant, les distances d'activation des roquettes à 600 mètres qui permet en fait pour les faire exploser à 600 mètres si jamais il ça m'a déjà permis de faire des kills à la roquette. Enfin, j'ai fait ça une fois. Qui est la raison pour laquelle j'ai essayé de tirer l'ennemi que j'ai engagé à la roquette. Enfin, qui est un bot en fait. Je tiens à le préciser. Là, je vais reprendre tout de suite. Là je regarde autour de moi qu'il n'y a pas d'ennemis. Parce que les bots eux ne sont pas dangereux. Mais les ennemis par contre, si vous en avez un qui est sur vous, en général mal par pas intéressant qu'ils soient au-dessus de vous. Avec des avions hélices, normalement, s'ils sont bien en dessous de vous, vous risquez pas grand chose. Donc là je continue de foncer sur un. Je crois que c'est un BF-110. Je suis encore loin. Je me rapproche. Et là, j'ai largué maintenant les roquettes. Ils vont manquer leur souffle. Pas tant que ça. Et là, j'engage le BF-110 C4 en fait. Et je vais très vite l'abattre. Je vais pas rester longtemps dessus. En haut. Je regarde derrière moi parce que sur le radar je voyais un point rouge. C'est le BF-110 C4 sur lequel mes alliés étaient. C'est maintenant abattu. Donc je vais maintenant me diriger vers mes alliés. Vers l'aéroport. À capturer vers les destroyers ennemis. Vous pouvez voir en ce moment en dessous de mon aile droite là les destroyers. Donc en face je vois un BF-109. Je commence à reculer, je pense que BF-109. Puis sur la minimap je vois les avions en bas. Et je vois un bombardier, donc un HS-129, des bombardiers avions d'assaut et tout ça. Ils sont pas très maniables, donc en chasseur vous pouvez leur foncer dessus. Et par contre, surtout plonger. Surtout pas leur partir derrière eux, parce que sinon leur mitrailleur de feu, enfin leur mitrailleur défensif, pour se faire un plaisir de vous abattre, vous n'avez rien à comprendre.
Donc là voilà, lui il s'est déjà fait abattre. Parmouillé. Du coup, tout tout en restant au-dessus de l'ennemi que j'ai l'intention d'engager. HS-129. Finalement, je distance sur le JU-87-8. Voilà. Et lui, par contre, il me rapproche pas très vite. Je garde ma gueule. Je compte dessus à peu près à 500 mètres, histoire de pas le prendre. Je commence à lui tirer dessus. Donc là, je l'ai touché pas mal. Pas mal de coups. Je fais demi-tour. On va faire qu'une deuxième passe dessus. Et là, avec ma distance de 3,4 km, on est attiré à 500 mètres. Et cette fois-ci, je coupe les deux ailes abattues. Donc, vous pouvez voir un deuxième kill. Donc, là, du coup, je remonte. On va remonter. C'est mieux pour moi. Sur le HS-129B. Et nous, j'avais l'intention d'engager tout à l'heure. Donc, je vise, je prends, j'ai à 500 mètres, je commence à lui tirer dessus. Là j'effectue un coup critique, je remonte. Je regarde derrière moi. Et puis je l'ai abattu. Comme vous pouvez le voir, ça, niveau statistique, je suis premier de partie. Avec 2 kills, 1 bot, aucune assistance. Et là j'ai pas compris, je viens de me faire abattre. Par je sais pas trop quoi. Je suis coupé les deux ailes, donc c'est un avion, je sens que c'est un avion allié qui m'a battu. C'est pas d'avion ennemi vers toi. Donc voilà. La vidéo est à présent terminée, donc je vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, sinon à me dire dans les commentaires pourquoi vous avez pas aimé la vidéo. Merci, donc à la prochaine vidéo.